Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous qui nous suivez partout, amis des bonnes années plus, vous qui aimez la bonne parole, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient votre partage au nom de Jésus. Nous venons vous annoncer que dès le 5 février, nous serons déjà dans l'espace Schengen, où nous venons pour travailler. Il y a un travail que nous allons faire. Voilà pourquoi nous venons pour vous annoncer. Il y a une veillée qu'on a organisée avec l'église JRC. On va donner l'adresse où il y a un thème qu'on va développer, un thème qui va nous pousser à chercher la face de Dieu, un thème qui va nous aider à comprendre les réalités de la vie spirituelle, parce qu'en fait, Dieu nous a délivré de la mort. Il nous a montré des chemins à suivre pour que nous puissions hériter le ciel. Mais à partir du moment où l'homme est libéré, soit l'homme a reçu Christ, jusqu'à entrer au ciel, il y a une vie. Il y a une vie. Donc, par rapport à cette vie-là, il faudrait qu'on puisse expérimenter la main de Dieu. Il faudrait qu'on puisse témoigner. Malheureusement, la plupart de ceux qui prient se plaignent par rapport à tout ce qu'ils sont en train d'endurer, de vivre. Bien qu'il y ait un Christ en eux, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie qui nous poussent à nous poser tant de questions. Ce thème qu'on va développer répondra à plusieurs questions. Ce thème sera une réponse à plusieurs questions posées. Voilà pourquoi ce 7 février, nous allons nous retrouver à l'église JRC où on aura une veillée de prière avec comme thème les liens du sang. Pourquoi les liens du sang? Le sang ou les liens du sang, c'est un grand lien parce que à voir par rapport aux Écritures, Dieu n'est pas venu libérer l'homme avec quoi que ce soit, mais il est venu libérer l'homme avec le sang. Pourquoi seulement le sang? Parce que Dieu pouvait payer même de l'or ou l'argent. Il a dit, l'or et l'argent m'appartient. Mais pourquoi seulement avec le sang? La Bible dit, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, l'or ou l'argent, mais par le sang de l'agneau. Pourquoi le sang? Dieu sait que le plus grand lien qui trouble la vie de l'homme, c'est le lien du sang. Tu peux contracter des liens. Tu peux contracter la magie, l'occultisme. Ce sont des liens faciles à briser. Parce que c'est l'homme qui l'a contracté. Mais le lien du sang, l'homme est né avec ça. Or, par le sang, il y a des choses que le sang véhicule. Par exemple, la malédiction. Il y a tant d'autres choses aussi bonnes qu'on remarque qu'elle a mis au monde des jumeaux parce que sa maman aussi avait mis au monde des jumeaux. Il y a des choses qu'on hérite pas héréditaires, donc qu'on ne force pas. C'est venu parce qu'on a ce sang-là. Mais aussi dans le mauvais, le sang peut véhiculer une malédiction. Le sang peut véhiculer tant de choses. Donc nous pouvons voir au moyen des Écritures, là je suis en train de frôler seulement pour nous faire voir l'idée du thème qu'on va développer le 7 février à Paris, à l'église JRC. On va donner l'adresse comme je l'ai promis. Dieu appelle Abraham. Abraham, qu'on a appelé après père des multitudes, il s'est retrouvé stérile. Il s'est retrouvé plutôt avec une femme stérile. Sarah ne mettait pas au monde. Abraham, il était bien. Et sa femme d'ailleurs, sachant que l'homme était bien, elle a proposé à l'homme de prendre Agar pour femme, afin qu'il ait quand même un enfant pour assurer la progéniture. Et Abraham a mis au monde avec Agar, vous connaissez l'histoire. Et Agar a donné à Abraham un fils du nom d'Ismaël. Mais Dieu est venu pour dire, Abraham, ce n'est pas avec Ismaël que je vais accomplir la promesse que je t'ai faite, mais c'est avec l'enfant que Sarah mettra au monde. Mais Sarah stérile, comment elle mettra au monde? À 90 ans, s'il vous plaît, à 90 ans, la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de cette femme qui autrefois stérile, elle a pu enfanter, elle a pu mettre au monde un fils du nom d'Isaac. Et Dieu a choisi Isaac. Il a rejeté Ismaël,
par rapport à la promesse, bien sûr, parce qu'il avait promis aussi à Ismaël qu'il sera une grande nation. Isaac, qui a grandi avec son père et sa mère, et à un certain âge, sa mère est morte. Comme il fallait qu'il soit consolé de la mort de sa mère, Abraham a suggéré qu'on puisse épouser pour son fils Isaac une femme. Et Abraham a veillé pour que son fils ne tombe pas dans les mêmes erreurs que lui. Lui, il a épousé une de ses demi-sœurs. Et pour lui, il disait peut-être que c'est lié à l'inceste qu'on a pu connaître tout ce qu'on a pu vivre dans la vie. Moi, je prends soin pour que mon fils ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs que moi. Abraham a épousé, il a envoyé son serviteur épouser pour son fils une femme. Et la Bible souligne que la femme qu'on a prise pour Isaac, c'était une femme vierge, qui n'a jamais connu de vie passée. Parce que si elle était peut-être une femme qui a connu la vie, on pouvait dire sa stérilité liée à sa vie passée. Cette femme vierge arrivée dans la vie d'Isaac, elle aussi se retrouvait stérile. Sarah stérile, Rebecca stérile. Il a prié pour, il a sollicité l'intervention de Dieu pour que sa femme aussi puisse mettre au monde. C'est après l'intervention de Dieu que Rebecca aussi a pu concevoir pour mettre au monde des jumeaux, Ésaü et Jacob. Dieu a rejeté Ésaü, il a accepté Jacob. Mais vous conviendrez avec moi que Jacob aussi, quand il s'est ressenti à l'âge d'épouser, la femme que lui aimait, c'était Rachel. Ce n'était pas Léa. Léa, c'était un accident. Et il a pu mettre au monde avec Léa. Cela prouvait que lui aussi était bon. Mais Rachel, la femme aimée de Jacob, elle aussi s'est retrouvée stérile. Vous voyez, par cette histoire, nous pouvons comprendre que les liens du sang, ou soit le sang, peut véhiculer une malédiction. Ça peut véhiculer et un mauvais sort. Vous êtes là, vous vous posez des questions par rapport à votre famille. Vous vous posez des questions par rapport à votre vie. Mais quand tu compares ta vie par rapport à la vie de tes frères, quand tu compares la vie des filles de la famille, ne voyez-vous pas qu'il y a un message? Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Le but de cette veillée, c'est pour nous ouvrir les yeux, nous pousser à prier pour que les choses liées au sang soient brisées. Abraham, père, Isaac, fils, eux tous, ils ont vécu la même chose. Abraham s'est retrouvé avec une femme stérile. Isaac, qui a épousé une femme vierge, s'est retrouvé aussi avec une femme stérile. Jacob, la femme qu'il aimait, elle aussi, s'est retrouvée stérile. Il fallait l'intervention de Dieu pour qu'elle puisse avoir, elle puisse mettre aussi au monde deux enfants. Sarah a mis au monde un fils, Rebecca deux enfants et Rachel deux enfants. Donc on comprend par les Écritures qu'il y a un lien, qu'il y avait un lien qui s'est manifesté chez Abraham, on l'a vu aussi chez Isaac et ça s'est répété chez Jacob. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas, tu pries Dieu, c'est bien, mais tu dois comprendre qu'en priant Dieu, il faudrait comprendre les Écritures pour s'opposer à tout ce que le sang est en train de véhiculer. Le sang peut véhiculer la malédiction, le sang peut véhiculer les assassinats, le sang peut véhiculer l'empoisonnement, le sang peut véhiculer tant de choses qu'on aura à développer. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel à tous ceux-là qui nous suivent de pouvoir nous joindre le 7 à l'église JRC. Je vais donner l'adresse JRC qui est, voici l'adresse, 24 chemin des Fourches, 93 38 0 Pierrefitte sur Seine. Je réponds, 24 chemin des Fourches, 93 38 0 Pierrefitte sur Seine, à Paris bien sûr. Vous êtes invité ce 7 février à la veillée qui est organisée, qui va commencer de 22h à l'aube. Venez nombreux, nous allons partager la parole de Dieu tout autour de ce thème, les liens du sang. Les liens du sang, ça peut troubler ta vie. Si une fois tu es libéré de ce que le sang véhicule comme malédiction, tu vivras la main de Dieu.
Souvenez-vous qu'il est écrit dans la Bible, on ne vous appliquera plus ces proverbes. Les pères ont mangé des raisins, mais les dents des enfants en ont été agacées. Tu es innocent, mais peut-être que les choses que tu es en train de vivre, c'est lié à ta famille. Mais il faudrait briser ces liens-là. Il faudrait briser cette malédiction pour que tu puisses vivre le bonheur comme tous ceux-là qui ont pu connaître la délivrance sont en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les avons vécus. Dieu nous a libérés. Voilà pourquoi nous vous apportons ce message. Un message profond. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Ridi, le pasteur responsable de l'église, la JRC. Que Dieu puisse bénir tous les fils de la JRC. Nous vous invitons à venir nombreux pour expérimenter la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse.